Finalement, les objets connectés, les rédactions, pourquoi pas. Et puis après, on recevra, alors ça c'est, vous verrez, assez étonnant et intéressant, un facteur. Un facteur sera ici sur notre studio, dans notre studio. Et pourquoi on va parler un facteur avec lui eh bien, de son métier, parce qu'aujourd'hui, un facteur est connecté, Jérôme. Eh oui, il est plus connecté que toi et moi, presque. La voiture toujours à l'honneur au CES de Las Vegas. Et on découvrira un cockpit de voiture, de folie, un cockpit du futur. David Noguera va nous montrer ça. Je crois même qu'il a testé un véhicule autonome. Waouh, ça, c'est quand même assez impressionnant, ouais. Hein, ce prototype BMW. Et puis on terminera avec du sport et Intel. Intel qui innove, propose pas mal de concepts intéressants et notamment une démo d'un match de basket qu'on peut suivre en direct et en 360 à peu près n'importe où dans le monde. En fait, au lieu de retransmettre un programme en 2D, eh bien on peut le retransmettre en 360. C'est assez impressionnant. Mais avant cela, coup d'œil sur 2-3 nouveautés, 2-3 actus fortes de ce troisième jour au CES de Las Vegas. C'est un petit peu ce qui nous a marqué, hein, oui. François. Donc la télé, tout d'abord. On a parlé les jours précédents de LG, on a parlé de Samsung. Et évidemment, il y a un acteur très important également, c'est Sony. Oui, Sony donc qui présente pas mal de nouveautés, Jérôme, avec notamment, regarde, leur télé OLED. Et ça, c'est quand même l'événement de ce CES. Sony se met à l'OLED. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'ils achètent leur dalle OLED à LG, leur principal concurrent. Tiens. Sauf qu'ils rajoutent bien évidemment leur traitement vidéo pour avoir une qualité d'image exceptionnelle. Et là, ce que tu vois, le pied, c'est un caisson de basse. En fait, ah ouais, c'est qui malin. Permet de restituer un son impressionnant, d'autant que le son sort non pas par les petits haut-parleurs qu'il y a tout autour, parce qu'il n'y en a pas, mais par l'écran. Directement. Dans c'est l'écran. Une technologie incroyable. Voilà, il y a des vibrations qui sont derrière l'écran et qui permettent donc au son de, comment dirais-je, traverser la dalle et de restituer du son. Et alors avec une localisation sur l'écran Et en plus avec une localisation, c'est assez bluffant. Bon, ça sort dans les mois qui viennent, hein. C'est un très 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 joli produit. Design magnifique, c'est vrai que les constructeurs, une fois encore, sortent les muscles hein, et nous montrent ce qu'ils savent faire en termes d'écran. On pensait qu'on avait atteint le maximum, c'est pas le cas. Deuxième innovation, alors là c'était un mur d'image immense. Je pense qu'il faisait il devait faire à peu près 6 ou 7 mètres de long. Un mur avec une qualité d'image. C'est moins que dans ta résidence secondaire, non? Incroyable, t'as raison. Mais tu vois l'image qu'on est en train de voir là. En fait, ce sont plusieurs petits panneaux collés à la perfection qui permettent d'avoir cette image impressionnante. Et tu ne vois pas... On voit absolument pas. Et tu ne vois pas donc, si tu veux, les coupures entre chaque écran. Techno donc réalisé par Sony. Et alors ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on se dit c'est un prototype, ça sortira jamais. Eh bien ça existe déjà. Certaines entreprises peuvent investir dans ces écrans-là et en acheter plusieurs. Ce qui fait que tu peux te faire un écran de 2 mètres comme un écran de 10 mètres finalement. Et c'est comme des Lego, tu rajoutes des petits bouts d'écran. C'est une technique qui existait déjà, qu'on connaissait déjà, mais c'est vrai qu'on voyait toujours la séparation entre les dalles. La séparation, là, on ne la voit plus. C'est plutôt du B2B quand même. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt du B2B, mais peut-être parce que ça coûte une fortune. Hein. Autant vous dire que je crois que là, l'écran qu'il y avait, c'était 1 600 000 euros. Oh. D'accord. Mais peut-être que dans 10 ans, avec le prix des technologies qui va baisser, on aura peut-être la possibilité sur un mur de choisir la taille de son écran, tout simplement, en rajoutant des petits carrés. Génial. C'est quand même assez bluffant. Superbe. Autre innovation dévoilée ici au CES de Las Vegas. Alors vous savez, traditionnellement depuis quelques années, l'impression 3D, cette fameuse impression 3D est à l'honneur. Il y a tout un secteur consacré à l'impression 3D. Et en fait, ça évolue d'année en année. L'une des particularités, eh bien, cette année, c'est ce vélo. Ce vélo signé Sculteo, qui est une société française dont on a déjà parlé, qu'on connaît bien, effectivement, et qui a été imprimé en 3D. Regardez ça, si c'est pas magnifique. Alors, pas sauf vélo, voilà. Ça, il faut quand même nuancer, pour être tout à fait honnête. Il y a environ 70% du vélo qui a été imprimé en 3D, et en l'occurrence, toutes les petites pièces et les pièces de raccord. Donc là, les poignées de frein, malgré tout. Ça, le système de freinage. Mais le cadre, les pédales également, oui, ont été imprimées en 3D. En revanche, le cadre, lui, c'est de l'acier pur et dur qui a été fabriqué différemment. Mais c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, l'impression 3D, eh bien, ça peut concerner d'autres matériaux que le plastique. Alors, ils sont en train de mixer plein de trucs avec du carbone, etc. Et on peut faire toutes sortes d'objets. C'est pas pour se fabriquer son propre vélo à la maison, mais c'est par exemple les startups ou, je sais pas, des entreprises qui veulent faire un proto, qui veulent tester des concepts. De créer un vélo d'une bonne qualité, une sorte de maquette, de tester, de prototype, pour voir si ça marche,
Et puis si c'est bon, ça va, mais si c'est pas bon, tu réimprimes une autre pièce un peu différemment. Et on remercie la jolie hôtesse qui nous a fait cette petite démo. Tout à fait. Voilà. Elle a l'air très sympathique. Allez, troisième actu du jour. Bon, troisième actu du jour. Oui, on va rester dans les choses typiquement loisirs et Las Vegas. Hein. Oui. Non, une machine à cocktail connectée. Ah, d'accord. Ouais, et c'est pas américain, c'est français, évidemment. Évidemment, c'est français. Bah, ouais, je disais que c'était du sport, c'est vrai. Regarde, que c'est ma bibliothèque. Donc ah, ça fait sérieux, ça donne quand même une image, tu vois, d'un homme cultivé, etc. En réalité, ce ne sont pas des livres, je l'avoue, ce sont des bouteilles d'alcool. Ouh là là, et c'est Pernod Ricard qui est en train de tester. Alors bon, là, on est vraiment au tout début de l'histoire. Hein. Ouais. Ils sont en train de tester une espèce de machine à cocktail connectée. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, donc là, on voit l'application hein, qui vous permet de choisir le cocktail que vous voulez. Et puis après, vous avez la recette du cocktail, le pas à pas qui arrive, etc. Donc voilà, vous coupez le citron, vous rajoutez l'alcool, etc. Voilà. Moi, ça me rappelle la cocotte minute connectée Cookéo de Seb. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que c'est pour les gens. On avait fait une recette, on s'était trompé d'ingrédients. C'était un carnage. On voulait faire un poulet au curcuma, on avait fait un poulet au curcuma. Ça nous avait bien fait rigoler. Donc voilà. Oui. Et là, donc le pas à pas, c'est un peu. T'as raison, c'est un peu comme Cookéo. C'est pour vous ceux qui ne savent pas faire des cocktails et tout ça. Votre cocktail. Voilà. Ouais. Et donc après, c'est quand même assez ingénieux parce que. Toutes ces livres bouteilles sont posées sur une espèce de balance qui va détecter quand l'une des bouteilles est vide. Ouais. Voilà. Et tu vas pouvoir après automatiquement commander la bouteille qui est vide. Bon, c'est vraiment une avant-première hein, ce qu'on vous montre. En réalité, c'est pas exposé comme ça au vu de tout le monde. Ouais. Hein. On est allé dans un endroit un peu secret pour le découvrir parce que ça ne sortira qu'en 2018, c'est ça? Oui, ouais, 2018. Ça sortira en 2018. Voilà. Là, ils vont envoyer 200 machines. Ouais. Mais ça m'étonne pas. Ah, non, mais attendez, j'ai juste trempé les lèvres, hein, parce que franchement, c'était très très fort. C'était très bon, c'était un cocktail à base de cognac, de kiwi et de citron. C'était très bon. Donc, ça avait l'air d'aimer. Hein. C'est difficile comme boulot, le CES de Las Vegas. Hein. Voilà, donc là, ils vont proposer 200 machines à des utilisateurs qui vont tester. Et qui vont remonter les informations et faire évoluer les choses. Et si tout va bien, ça sortira l'année prochaine. Voilà, c'est Pernod Ricard, ça s'appelle Open. À consommer avec modération, bien entendu. Bien sûr, toujours. Voilà, voilà pour les actus phares du jour. On va passer tout de suite à notre premier invité. Et juste après... Un petit jingle avant ou un petit... Allez, on y va. C'est parti. Avant toute chose, on rappelle que comme nous sommes en direct, vous pouvez interagir hein, sur Twitter, hashtag 01live, vos questions, vos commentaires, faites très vite et immédiatement on réagit ou on fait réagir notre invité. Voilà, et puis juste après notre invité, Fred Potter, nous recevrons un facteur connecté. Comment est connecté aujourd'hui un facteur? Voilà. Et ben, on lui posera la question. Lui facilite la vie, on verra ça dans un instant. Avant de parler de voiture et aussi d'un super PC, mais alors si vous êtes fan de PC, restez avec nous, on vous en dit pas plus. Fred Potter est avec nous. Monsieur Potter, Fred, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, Fred Potter. Fred Potter, une figure mais de l'innovation à la française. La star des objets connectés. Et maintenant, une figure du CES et de la French Tech. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes toujours aussi gentil avec moi. Bah oui, mais oui. mais c'est normal. On aime les innovateurs, surtout quand ils sont français. Voilà. Fred Potter, donc le patron de Netatmo, la station météo connectée, qui est un vrai carton, hein. Moi, je me rends compte que quand je vais chez des amis, je vois de plus en plus de copains qui ont la station Netatmo, donc ça marche plutôt bien. Hein. Il y a la station Netatmo, il y a 16 autres produits. Maintenant, c'est vrai qu'historiquement, on avait lancé la station météo en 2012. On a notre thermostat qui marche très bien, nos caméras de sécurité. Et puis là, à Las Vegas, on a présenté quatre produits nouveaux, dont deux partenariats très importants avec des grandes boîtes du bâtiment. Puisque notre analyse, c'est de dire que la maison connectée, ça devient tellement standard, tellement mainstream, que ça va, tous les produits
de la maison vont devenir connectés à Internet. Bien sûr. On a passé un gap, on a l'impression. Hein, oui. De... Non, Gap, c'est un magasin de... On a passé un cap. Pardon. On a... on marque, en anglais, oui, c'est un gap, c'est vrai. C'est pour faire du shopping ici. On se trompe de mot. Non, mais oui, on a l'impression d'avoir passé un cap de ces gadgets, objets connectés qu'on a vus depuis toutes ces années. On a l'impression que tout ça est en train de se structurer. La meilleure preuve, c'est que de grandes boîtes comme Legrand, Somfy, pour d'autres sociétés, eh bien, justement, s'intéressent à votre savoir-faire. Exactement. Donc, on a créé un partenariat avec Legrand pour connecter à Internet la gamme de prises Céliane, qui est la gamme la plus vendue en France. Et donc, on a désormais de l'appareillage électrique connecté, donc des prises, des interrupteurs que l'on peut piloter de son smartphone, avec la particularité que les interrupteurs commandent les prises ou les éclairages encastrés en radio, ce qui permet de repositionner les interrupteurs avec du scotch double face, puisqu'on a tous vécu la situation dans laquelle on tire un meuble et évidemment l'interrupteur derrière. Exactement. Donc là, on décolle l'interrupteur, on va le recoller ailleurs. Et ça, il y a une pile à l'intérieur ? Voilà, il y a une pile, une petite pile de calculatrice qui dure 8 ans. Ah oui, donc on a le temps de voir quand même. On a le temps de voir. Ouais, c'est pas mal. Donc il y a ça, bien évidemment, mais il y a aussi d'autres nouveautés que et Fred, alors moi j'ai ça sur Netatmo également et je suis devenu esclave du détecteur de CO2. C'est-à-dire qu'il me dit quand le niveau de pollution interne à la maison... Il m'appelle des fois en pleine nuit en disant j'ai dépassé le nuit de CO2. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, je me précipite pour ouvrir les fenêtres, faire des courants d'air, etc. Ça. Et je crois que vous avez du nouveau dans ce domaine aussi. C'est pas faux. Ouais. Voilà. Ça coûte cher en chauffage. Je dirais que les gens de Velux aussi ont vu le bénéfice du détecteur de qualité d'air qui permet d'aérer chez soi. Et donc cette année-là, on est rentré en contact avec eux il y a assez longtemps. Et donc cette année, on montre au CES de Las Vegas les télécommandes pour les Velux motorisés, puisqu'il y a toute une gamme de fenêtres de toit qui sont motorisées. Et puis on peut mettre des volets roulants motorisés, on peut mettre des stores motorisés. Mais ça, c'est motorisés. Pas très nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est donc notre télécommande qui vient piloter ces Velux. Qui est rempli de capteurs, un capteur d'humidité, un capteur de qualité d'air, un capteur de température, un capteur de lumière. Donc s'il pleut, tac, ils ouvrent. Non, c'est le contraire. Voilà, c'est l'inverse. quand il pleut, ça ferme. Ouais. Mais c'est surtout quand il fait trop chaud, quand il y a trop de soleil, eh bien on va tirer les stores pour empêcher le grenier ou les pièces à vivre de chauffer. Et puis l'été, par exemple, la nuit, on va ouvrir automatiquement pour aérer un peu. Quand on prend une douche, eh bien on va aérer pour faire sortir l'humidité. Donc on va venir réguler automatiquement le climat de la maison. Avec cette télécommande qui est bien sûr... Et aussi pour la pollution alors ou pas encore pour le niveau de... quand l'air intérieur est confiné, évidemment, quand le CO2 monte trop, à ce moment-là, claque, ça va s'ouvrir pour aérer. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que là, finalement, le côté génial du connecté, c'est qu'on ne s'en occupe pas. Voilà. Tout se fait tout seul. Voilà. C'est vrai que c'est très amusant parce que dans les objets connectés à Internet, l'app devient de moins en moins importante. C'est-à-dire pendant longtemps, quand on voulait montrer un objet connecté à Internet, on montrait son app. Aujourd'hui, on exprime le consommateur, le bénéfice consommateur qui passe aussi par l'app, puisque dans le cas de Velux ou dans le cas de Legrand, on a des boutons de scénario quand on part pour tout éteindre. Et évidemment, on peut prendre le contrôle entier de son installation depuis son smartphone. Mais typiquement Velux, c'est que ça marche tout seul en fait. Velux, ça marche tout seul. Et aussi, ce qu'on voit, et c'est une des grandes tendances cette année au CES, c'est l'importance de la voix comme nouvelle interface dans la maison. Donc on va dire Alexa, ouvre la fenêtre, on va dire Alexa, éteins les lumières dans le produit Legrand, enfin dans le produit Legrand with Netatmo et dans le produit Velux with Netatmo. Ces deux produits réagissent à la commande vocale, des grandes plateformes de commande vocale. Alexa, donc vous avez cité Alexa, c'est Amazon. C'est compatible également avec Google Home ou Google Assistant. Alors, avec Apple HomeKit. Apple HomeKit, d'accord. Certainement avec Google Home qui n'est pas encore disponible en Europe, mais qui va venir. Mais l'idée, c'est d'être interopérable avec tous les systèmes, c'est ça? Voilà, notre stratégie est très claire, c'est de faire les objets et d'interopérer avec les plateformes qui les fédèrent. Ça, c'est indispensable aujourd'hui. Mais du coup, alors, je vais vous poser une question un peu poil à gratter, mais c'est bien parce que les Français sont super innovants, mais est-ce que vous risquez pas de vous faire déposséder, puisque finalement, on voit que ce sont ces acteurs-là, les géants, qui vont reprendre le pouvoir dans cette histoire? Alors, ce qui est très nouveau, et moi ça fait plus de 20 ans que je monte des boîtes de high-tech, c'est qu'on arrive à avoir des collaborations très équilibrées avec le groupe Legrand qu'on connaît très bien depuis très longtemps, parce que c'est un énorme projet sur lequel on travaille depuis très longtemps. On arrive à avoir des collaborations équilibrées dans lesquelles notre marque est maintenue, dans lesquelles on partage les revenus. Et ils ont une attitude qui n'est pas du tout une attitude de domination. Oui, mais je pensais plutôt à Amazon, Google, Apple, voilà. Oui, je ne pense pas qu'Amazon ou Google ou Apple va faire des prises électriques. Non, mais c'est eux qui auront le pouvoir, ils auront l'intelligence. C'est ça que je veux dire.
Bon, on en reparlera l'année prochaine. Oui, en plus. Bah, en tout cas, il y a une association. C'est-à-dire que l'un sans l'autre a du mal à exister. Ah oui, oui, bien sûr, bien donc, sûr. Voilà, ouais. il faut trouver ouais. le juste équilibre. Comme souvent dans la tech, c'est une symbiose, c'est un écosystème dans lequel tout le monde a besoin des autres. Fred Potter, ça fait combien d'années que vous venez au CES? Pas très longtemps, ça fait que 5 ans. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Comment vous voyez l'évolution? Qu'est-ce que vous constatez? On parle énormément de la French Tech, des startups françaises, etc. C'est bien ou c'est pas bien? Alors, le fait que la France soit présente, c'est bien. Moi, je suis content de voir des sociétés grandir. Donc, on voit les stands de plus en plus imposants de certaines des sociétés françaises. Voilà, il y a aussi beaucoup de start-up, donc c'est très sympathique. Avec souvent, quelquefois, on vient chercher ces 15 minutes de gloire avec un concept et on ne revient pas l'année d'après. Je vous invite à regarder l'émission que vous aviez tournée l'an dernier et les sujets dont vous aviez parlé et faire peut-être une fois une émission spéciale. Vous avez spéciale, raison. Vous avez raison. Le cimetière du CES et tous les trucs qu'on nous a dit ça arrive demain et qui ne sont jamais arrivés. Ouais, on cherche la fourchette connectée. Voilà, on cherche la fourchette connectée. Ouais. Je ne sais pas. Je pensais que vous alliez peut-être racheter ce concept. Non. Mais vous l'avez pas. Non. Ça non, vous a pas voilà. intéressé. Et on va. Voilà. C'est vous ouais. qui l'avez cité, mais il y en a d'autres. Et c'est vrai que. Ça sert à rien de venir dépenser son argent au CES si on n'a pas l'intention de sortir un produit dans les 6 à 9 mais Fred, mois. On dit que ça sert à rien, mais finalement, est-ce que c'est pas en faisant ces petits coups d'essai, parfois, c'est qu'on avance malgré tout parce qu'on teste des choses. Alors, c'est vrai que parfois, quand un cuistot essaie de faire une bonne recette, il va tout jeter parce que c'est pas bon, il va recommencer, etc. Puis c'est Est-ce qu'on n'est pas en train de grandir parce qu'on teste des trucs qui vont pas marcher, on va se rendre compte que c'est plutôt dans cette direction qu'il faut aller, non? Oui, mais on n'est pas obligé d'aller au CES pour tester ses produits. Ouais. Et pour tester ces concepts. Si on vient là et qu'on n'a rien, c'est du bullshit. Quoi. C'est de l'esbrouf. C'est toujours encore le cas cette année. Il y a toujours des trucs qui... on verra l'an prochain, mais c'était le cas l'an dernier. Oui, mais il y a plein de trucs bidons, bien sûr. D'accord. Il y a un coup de cœur? Est-ce que vous avez un coup de cœur? Non, j'ai pas encore fait mon tour. Rien du tout? Non, j'ai pas eu le temps. Il n'y a pas un truc que vous avez envie d'aller voir, même pas dans les startups françaises. Hein. Je sais pas, une voiture qui vous fait rêver, ou un drone, ou rien? Très honnêtement, j'ai pas encore fait mon tour. Des autres stands, de l'Eureka Park, qui est en général l'endroit le plus intéressant. C'est là où il y a les startups, précisément. Voilà, c'est là où il y a les startups, parce que c'est le plus dense. Et puis c'est des sociétés qui arrivent en général autour d'un concept nouveau, donc c'est plus riche. J'ai pas encore eu le temps. D'accord. Bon, alors allez-y vite. Ouais. Profitez quand même un peu de ce CES. On a évoqué rapidement le détecteur de fumée, qui est une grosse nouveauté aussi. Enfin, ça sort pas tout de suite, hein, ça. Hein. Et puis donc aussi l'espèce de comment on appelle ça? La sirène. Voilà. L'ampoule. Non, mais zut. Oh, la lanterne qui se met à l'extérieur. Les caméras. Voilà. Alors, avec en plus un système d'alarme. Hein, voilà, c'est ça. Exactement. Donc on a fini cette année d'étendre le line-up de produits de sécurité. En faisant donc, on a nos caméras d'intérieur à reconnaissance faciale qui sont en vente depuis quelques mois déjà. Depuis 2 mois, on livre Présence, donc notre caméra extérieure qui remplace un luminaire extérieur quelconque. Hein, juste besoin de débrancher l'ancien luminaire, de mettre le nouveau. Qui est aussi une lampe, donc qui fait projecteur. Et puis qui a une caméra qui fait de la détection de personnes, d'animaux et de voitures pour qu'on sache ce qui se passe dans son jardin. Donc la caméra va enregistrer un petit film quand il y a un animal qui passe chez vous et puis elle va rien enregistrer quand c'est le vent qui fait bouger les arbres. Bravo. Voilà, un super produit à base d'intelligence. On a une question sur Twitter de Christophe qui nous demande pourquoi la station météo Netatmo dont on parlait tout à l'heure n'est pas compatible HomeKit. Ça va venir ou pas? Je ne ferai pas de commentaire. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi donc? Ça, c'est une manière de botter en touche et de renvoyer la faute sur d'autres. Pourquoi? Il y a une raison. C'est quoi? C'est parce que c'est en développement? Parce qu'il y a des problèmes de... C'est compliqué, c'est Apple qui ne veut pas. Apple, c'est... Bon, on a posé la question qui fâche à Fred Potter. Fred Potter réfléchit, mesdames, messieurs. Quand il réfléchit... Je ne sais pas comment m'en sortir. Là. Ouais, bon. C'est compliqué. Non, mais on a la stratégie de la société, c'est d'avoir tous nos produits qui vont sur HomeKit, quand c'est possible. D'accord. Voilà. Et là, visiblement... Techniquement ou commercialement ou... Techniquement. Techniquement, d'accord. Et là, c'est compliqué, visiblement. Voilà, on a... Et ça peut évoluer ou pas? Je sais pas, on verra. On va voir, d'accord. Bon. Voilà. C'est pas grave, hein, Fred. Non, mais là... C'était une bonne question. C'était une bonne question, en Christophe, tout cas. Christophe Gibert. Voilà. Bravo. Fred, merci beaucoup d'être passé par le studio de 01net ici, sur le centre de la Poste. Merci pour votre accueil. Et on bonne continuation. Très, très, très vite, hein, Fred Potter. Voilà, le patron de Netatmo. Et alors attention, il va traverser. Hop là, il traverse.
on va... l'a fait. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On va accueillir notre facteur connecté maintenant, non, Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, et puis aussi David Noguera qui viendra nous rejoindre. Alors, je vais faire un peu de place. Allez. Vous savez que nous sommes sur le stand de la Poste et il y a des facteurs ici. Il y a 6 facteurs qui présentent en fait des innovations qui ont été présentées par la Poste. Et on a voulu un petit peu en savoir un peu plus sur le métier de facteur aujourd'hui. Oui, parce que c'est étonnamment un métier de plus en plus high-tech. Alors, il faut des facteurs geeks. Nous en avons un avec nous. Il s'appelle Julien Courado. Bonjour. Bonjour. Julien de Poitiers, les amis. Et oui. Poitiers Power aujourd'hui. Exactement. À Las Vegas. Exactement. Ça, c'est cool. Très bien. Très, très bien. Qui a fait le déplacement. Vous êtes combien de facteurs à avoir fait le déplacement ? 6 facteurs à être partis de, pour le CES, 6 facteurs de toute la France. Hein, on est vraiment toute la zone géographique française est représentée. D'accord. Alors, on avait envie de vous écouter pour que vous nous racontiez un petit peu comment est votre métier au quotidien et comment il a changé ce métier grâce aux nouvelles techno et grâce notamment aux smartphones. Vous l'avez peut-être tous remarqué aujourd'hui quand on reçoit un recommandé ou un colis, etc. Eh bien, le facteur a un smartphone. Ça vous a changé la vie, ça ? Tout à fait, l'arrivée donc de ce smartphone que je vais, qui est ici dans ma poche, on a toujours notre smartphone avec nous. Il a l'air costaud en plus, hein, hein. Il a l'air costaud. Oui, bah, enfin, il a besoin d'être costaud parce qu'il est quand même souvent mis à contribution. Mais cela dit, c'est un smartphone c'est un classique. Smartphone classique, hein, mais dessus, voilà. Vous avez retrouvé une application que de la Poste qui s'appelle Facteo. Voilà. Hein, c'est notre qui vous est réservé. Qui nous est réservé. Qu'on n'a pas le droit de vous montrer du coup, non, ce qui, peut, ce qui se comprend. Hein, c'est normal. C'est normal. Voilà. Et qui nous permet au quotidien de gérer le suivi de nos objets. Donc que cela soit les lettres commandées, les colis, les lettres suivies. Elles vont nous permettre de, à l'instant T, pouvoir dire à nos consommateurs où sont leurs objets. S'ils distribuaient, mis en instance, remis à une autre personne. Voilà. D'accord. Ça permet un suivi, une sécurisation des objets. Vous avez ça depuis quand ? Ça va faire 3 ans, le printemps prochain. 3 ans déjà ? Déjà, oui. Mais tous les facteurs de France ont ça ? Tous les facteurs de France sont connectés. Mais moi, j'ai une colle. Quand vous n'avez pas de réseau, comment vous faites ? Parce que s'il y a un facteur qui monte, je sais pas moi, dans un petit village de Haute-Provence, et qui doit, je sais pas moi, remettre un recommandé qui n'a pas de réseau, ça arrive ça ? L'application n'a pas besoin de réseau pour marcher. Et ça, voilà, nous pouvons très bien, nous scannons nos objets. Nous pouvons valider nos objets, nous pouvons continuer la distribution. Nous n'aurons besoin que d'un point d'accès Internet seulement pour la clôture de journée, pour rendre l'édition des comptes. Donc et pour ça, tous nos bureaux de poste et tous nos centres de tri sont équipés de Wi-Fi qui nous permettent de clôturer sans problème. Qu'est-ce qui va arriver d'autre dans le futur ? Vous avez déjà une idée des outils supplémentaires qui se préparent ? C'est justement pour ça qu'on est au CES à Las Vegas. On vient présenter l'offre Veiller sur mes parents qui va intégrer dans le smartphone un nouveau volet de Facteo, puisque nous allons donc aller visiter vos parents sur votre demande. On en parlait il y a 2 jours avec Nathalie Collin ici voilà, même. Ouais. Ou 6 fois. Et justement, lors de ces visites, nous, on va lancer une mission. Quand on va arriver chez la personne, tout va bien, rien à signaler. Valider. Voilà. Et vous allez recevoir sur vos smartphones la notification pour dire nous sommes passés chez vos parents, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et si ça ne va pas, vous allez nous le dire aussi. Exactement. Vous ne faites qu'informer que ça ne va pas ou vous pouvez aller plus loin ? Non, aujourd'hui on va informer que ça ne va pas. Vous faites le massage cardiaque ? Non, pas encore. Pas encore. Sans aller jusque-là, on va quand même être formé sur le fait de rendre visite à des personnes âgées à leur domicile, gérer peut-être leurs angoisses, leurs peurs quotidiennes. Oui, voilà, on va être formé à ça. Et c'est ce que vous faites déjà, ce que vous faites déjà, ouais. C'est la base un petit peu du métier, le lien social, le facteur, on a cette chance-là d'avoir un regard des gens très agréable sur nous, ils sont contents de nous voir, des fois ils nous attendent même. Ils attendent surtout pour les factures, les avis d'huissier, mes amis. Mais c'est vrai parce que hier, alors pour tout vous dire, hier il y avait une soirée donc à Las Vegas dans un lieu un peu branché, où vous étiez là. Oui. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vous venaient. Et nous, on a été fascinés par un nouveau collègue avec qui on a discuté pendant 20 minutes. Ouais. Mais vous êtes avec des stars, anecdotes incroyables. C'est incroyable. On a la chance de côtoyer les Français tous les jours, 6 jours sur 7, toute l'année. Alors je ne sais pas si c'est l'uniforme, si c'est parce que vous faites partie de notre quotidien, mais... On est aussi une entreprise historique, et voilà, on est présent depuis des années, donc c'est les gens, on a cette chance, les gens nous aiment bien. Et alors ça, c'est pas considéré comme un outil qui déshumanise un peu la relation, non ? Non, parce que justement, on a cette chance, bien sûr, d'être dans l'innovation, d'avoir un métier innovant, mais justement, on va être le visage humain pour aller vers le monde des services.
Et ça, c'est important pour nous. Julien Courado, l'an dernier, ici même à Las Vegas, sur The Runner TV, on lançait le Domino, oui, le bouton connecté qui permet d'envoyer des colis en les mettant dans sa propre boîte aux lettres. Tout à fait. Ça, on est où, ça ? Ça se pratique, ça s'utilise beaucoup ? Alors, c'est toujours en mode d'expérimentation et en phase de test. Donc, c'est en train de se conclure et ça devrait arriver très rapidement. Ouais. Et cette année, on va même plus loin que le Domino, puisqu'on lance le Domino pour les petites et moyennes entreprises. Donc, d'accord, le Domino fait son bonhomme de chemin. Et c'est super intéressant pour les entreprises qui vont être soulagés de ne plus être obligés d'amener des colis dans un bureau de poste, voilà, dans un relais de poste. Là, il suffit d'appuyer, vous avez des clients, vous appuyez sur le bouton, vous venez, exactement, vous venez chercher les colis et vous repartez. Nous, le but, en fait, c'était de pouvoir gérer l'irrégularité de l'envoi des petites entreprises. Mmh. D'accord. Pour ne pas les contraindre à des collectes ou des choses comme ça. Parfait. On va parler d'une autre innovation de la Poste. Regardez, je la sors De sa petite de mon tiroir. Regardez ça. Regardez cette bébête. Hein. On dirait un petit panda. Oui, je pense que c'est à peu près ça, ou un petit lapin, ou je sais pas quoi. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que quelqu'un a une pièce de monnaie sur soi ? Parce que moi, j'en ai plus. Moi, je crois que j'ai un truc. Voilà, parce que moi, j'ai tout joué, j'ai tout mis dans les machines à sous. Donc, j'ai plus rien. T'es pas le seul. Bon, bah, si on n'a pas de pièces de monnaie, on fera la démo. Tiens, tu as ce qu'il faut ? Ouais, regarde. Voilà, j'espère que ça marche. Et puis, en plus, c'est des grosses pièces, parce que 20 centimes, en plus, c'est 5 répété. Centimes, etc. On peut et voilà, je mets une pièce, tac. Je peux la mettre ou pas, les messieurs de la dame de la Poste, ou ça va tout casser ? Hein, on y va ? Ouais. Tac. Voilà, vous avez compris, c'est donc une tirelire. C'est une tirelire connectée. Et pourquoi la Poste lance-t-elle une tirelire connectée ? Eh bien, en fait, je trouve ça assez intelligent comme concept, parce que vous offrez ça à votre enfant, d'accord ? Vous allez pouvoir, quand vous lui donnez un petit peu d'argent, ouais, mettre de l'argent à l'intérieur de cette tirelire. Lui aussi pourra mettre de l'argent. Mmh. Et à chaque fois qu'il va mettre une pièce... Oula, il est riche, lui, hein ? Ah oui. Oula. Uf, dis donc, c'est pas mal, hein. Ça, c'est le fils de François Sorel. J'aimerais bien voir cette tirelire. Dis donc, bonjour la cagnotte. Hein. Et alors, à chaque fois que tu mets une pièce, Jérôme, à chaque fois que tu mets une pièce, là, sur le devant en fait de la tirelire, il y a un afficheur qui apparaît, ouais, qui donne le montant de la pièce que tu as mis, mais qui va aussi te dire combien il y a en tout dans la tirelire. Ouais. D'accord ? Exactement. Et ce n'est pas tout. Et tout ça est couplé à des applications. Voilà, c'est pas tout. Alors, il y a toute une histoire, c'est assez rigolo. Bon, on ne va pas s'étendre de 100 ans, mais c'est assez marrant. L'idée de départ, c'était aussi de le connecter à un compte, à la Poste, hein, un compte épargné à la Poste, ouais, et de faire en sorte que chaque fois que tu mets une pièce, ça se convertisse en agent en version informatique. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, quand la tirelire est pleine, tu ne peux pas l'ouvrir et tu la portes à la Poste. Tu l'amènes au bureau de Poste. Mais je crois qu'ils sont en train de revoir un peu leur modèle, ouais, etc. parce que c'est work in progress pour l'instant. Mais voilà, alors, c'est amusant. Ce qui est intéressant, c'est que donc c'est lié à des applications que tous les membres de la famille peuvent télécharger. Et par exemple, arrive le moment de Noël où tu veux donner de l'argent, ouais, par exemple, à ton enfant ou à ton petit enfant, etc. Par l'appli, tu vas pouvoir choisir la tirelire que tu veux. Tu mets de l'argent et automatiquement, ça s'affiche sur la tirelire. Il y a le montant. Sans que tu sois obligé d'être à côté, en fait. C'est génial. Donc, c'est pas mal. Super. Bon. Alors, allez, je vais ranger délicatement le prototype. On ne sait même pas quand pas ça sort, etc. Mais c'est pour c'est vous un montrer un petit clin peu d'œil quelles sont high-tech, voilà, CES. Les réflexions que mène la Poste actuellement en termes d'objets connectés. On revient dans le dur, on parle d'informatique, on parle de voitures connectées, mmh, tout de suite avec David Noguera. C'est la suite de 01 Live en direct de Las Vegas. Oui, non ? Non, pas de jingle, pas de jingle. Non, bon, ça t'apprendra. Non. Là, c'est chaque fois que j'essaie de lancer un jingle, t'as il part vu, pas. Hier, c'était Jean-David qui faisait comme ouais, ça, là, c'est Pierre. Non, mais t'as vu, quand toi tu les lances, ça marche. Quand moi je les lance, ça marche pas. Donc... Bah, je t'expliquerai pourquoi. C'est, d'accord. C'est un truc un peu particulier. C'est pas grave. En revanche, moi je te lance David Noguera. Regardez, hop là, il apparaît. Bonjour. Salut. Salut David. Ça marche. C'est beau ou pas ? Bonsoir à c'est Paris. Bien. Et oui, bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Un peu, mais arrêtez de dire Paris. C'est Johnny Hallyday. Mais arrêtez de dire Paris. Bonsoir. Mais pas Paris, on nous regarde dans toute la France. On nous regarde en Suisse, en Belgique, en Afrique. On nous regarde au Québec. On salue tous nos amis québécois. On sait qu'ils sont nombreux à nous regarder. Voilà. On vous fait un bisou. Dites-nous sur Twitter, hashtag 01 Live, d'où vous nous regardez ce soir. C'est ça. David Noguera, troisième jour du CES. Et oui. Toujours là, toujours en forme, impeccable. Pas de poche sous les yeux, David. Non. Quelle forme, quelle jeunesse, quelle énergie, quel talent. C'est ça. Bon, David, qu'est-ce que tu as vu de beau pour cette troisième journée? Enfin, plein c'était de choses. La deuxième journée. Oui, c'était effectivement la deuxième. Plein de choses, mais alors je ne sais pas trop par quoi. Bon, parce qu'il ne faut a priori pas contrarier voiture. Nos JRI. Alors, oui, il ne faut pas les fâcher. Donne la danse. Tu as tout compris. Mène la danse et puis pas les énerver. Alors, on a vu plein de choses. Alors, Razer, BMW, qu'est-ce qu'on fait?
Razer, allons-y pour Razer. Allez, c'est vraiment impressionnant. Razer, effectivement, ce a PC. Voilà, alors ça c'est le truc Razer, c'est des remarques de gaming. Donc là, avec effectivement du jeu, mais Razer a présenté deux projets, Valérie et Ariana. Et alors, il y a ce premier projet. C'est les noms des projets. C'est les noms des projets parce que. On va détendre tout de suite les amis joueurs, hein, ce qu'ils vont commencer à saliver, c'est des produits qui ont finalement assez peu de chance de voir le jour. C'est des produits qui vont prendre un peu la température. Donc, mais alors, l'idée, quelle particularité ? Le projet Valérie, lui, c'est un PC portable avec trois écrans 17,3 pouces qu'on peut déployer. Mais alors, juste trois écrans 4K. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir un système d'écran stéréoscopique, enfin, un affichage grosso modo devant soi qu'avec des écrans qui reviennent sur le côté pour avoir des parties complètement immersives. En fait, voilà. Génial. Se déploie automatiquement avec un mécanisme. En fait. Et c'est comme un ordinateur portable. Ouais, tout à fait. Tu déplies l'ordi, tu as ton écran qui est au centre. Oui. Et là, tu vas pouvoir sortir deux autres écrans de chaque côté qui sont sur le côté. Alors, j'ai dit stéréoscopique, mais pas du tout. C'est surround view, c'est un système de vue qui effectivement. Et moi, je rêvais de ça il y a quelques années quand on faisait beaucoup de montage vidéo en itinérance, comme ça. Voilà, effectivement, du coup, ça fait quand même un PC portable à presque 6 kilos. Hein. 5,4 kilos PC. C'est ce qu'il faut, bien sûr. Effectivement, il faut ce qu'il faut pour embarquer toute la technologie. Donc, il y a. Mais ça, c'est pas. Enfin, voilà, c'est du concept. C'est du concept, oui. Alors, Razer, a priori, a quand même annoncé que juste pour faire tourner ça, il faudrait une GTX 1080, ce qui est finalement pas complètement déconnant par rapport à la puce, mais ce qui est assez étonnant parce que mine de rien quand même 3 écrans 4K ça fait 11 520 pixels par 2160, donc ça fait quand même pas mal de monde à gérer sur une telle définition, donc à voir. De toute façon, c'est un projet qui est assez amusant, mais Razer, c'est une marque qui monte. C'est une marque qui monte, et puis qu'il y a des trucs comme ça un peu originaux. Et le deuxième projet, donc, c'est Ariana, qui est grosso modo l'ambilight du gaming avec un système de projection qui s'adapte au jeu dans lequel on est et du coup affiche des images tout autour de soi. Alors, ce projet, il utilise donc un système de vidéoprojecteur avec une focale ultra courte du fisheye. Et voilà, donc on voit qu'on a cet affichage sur l'écran qui est en fait étendu autour et ça devient complètement immersif. Et a priori, c'est assez dingue à voir. Hein. C'est vraiment quelque chose. Alors voilà, donc en plus, là, il y a des effets de lumière puisque les claviers de chez Razer sont rétroéclairés. Enfin, ça devient une discothèque du jeu vidéo. Je pense que ta femme adorerait que tu installes ça chez toi. Ouais. Mon fils beaucoup plus, ma femme beaucoup moins. Donc, c'est des petits projets pour le gaming un peu sympa. Très bien. Pas mal. C'est du côté de Razer. Oui. Quand on regarde un petit peu ce que vous nous mettez sur le hashtag 01Live, Jérôme. C'est surtout des gens qui nous disent d'où ils nous regardent. Voilà, et on nous salue depuis Montreuil-sur-Mer, depuis Marseille. Bora Bora. Ça, c'est pas gentil. Mais pourquoi on ne fait pas un 01Live depuis Bora Bora? Je pense qu'on va y penser très sérieusement. Il va falloir y penser. Ouais. Magnifique. Les Hauts-de-France, etc., etc. La Tunisie également, on regarde depuis la Tunisie. Bon, on vous salue super, en tout cas, merci d'être là. David, maintenant on va parler un peu d'automobile. Oui, automobile encore et toujours. Effectivement, j'ai pu approcher un petit peu le concept car de BMW. Alors l'année dernière, ils étaient là avec des choses très concrètes, mais aussi futuristes. Et là, on est vraiment dans le cockpit du futur avec le projet HoloActive Touch. Alors, HoloActive Touch, pardon. Il y a donc ce cockpit qui finalement ressemble plus vraiment à une voiture. On voit que la voiture n'est pas totalement terminée, il n'y a pas de roues, donc, y a pas de, c'est quand même embêtant pour une voiture. De pare-brise, tout ça. Non, par contre, pour un bateau, ça doit C'est exactement ce qu'on s'est dit quand on l'a vu. Pour un meuble, c'est un joli meuble. Ça fait un peu bateau. Bon, l'idée, c'est qu'à l'intérieur, en fait, il y a un truc qui est assez étonnant. Il y a un système d'affichage. Là, on voit sur le dessus, il y a une partie noire brillante. Et en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si on se rend bien compte, je ne touche pas l'écran et j'appuie sur des boutons qui sont projetés. Virtuels. Et c'est vraiment projeté et c'est bluffant parce que du coup, c'est les boutons yes/no, en fait, sont détachés de l'écran. Exactement. Ils sont au-dessus de l'écran. Comme on pourrait imaginer un hologramme sur lequel on peut appuyer. Et c'est saisissant parce que sur la planche de bord, il y a deux petites caméras qui gèrent donc l'emplacement du doigt. Et sur le dessous, la plaque noire un peu mate qu'on voit, c'est un système qui génère des ultrasons. Et quand on appuie sur les touches, on a un système de feedback, un peu comme un retour haptique. Et on sent vraiment, ça, on a le doigt qui vibre. Et comme ça, on peut donc être sûr qu'on a bien pressé la touche. Enfin, c'est l'expérience vraiment est réussie, assez originale. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Donc ensuite, forcément, il y a la partie tableau de bord, puisqu'une fois qu'on a interagi
interagit avec les boutons, eh bien on va avoir toutes les commandes. Et là, en fait, on... Alors, c'est une démo, donc on rentre dans tout un tas de scénarios. La capacité du véhicule à nous proposer un itinéraire lorsqu'on rentre dans sa voiture, qu'elle nous a identifié. Puis je prends mon itinéraire. Donc là, elle me dit, bah, tu as croisé Michael en chemin, est-ce que tu acceptes... Alors non, la première vidéo, c'est voilà, je suis dans ma voiture, il me dit, tu en as pour 25 minutes de route, est-ce que tu es OK pour reprendre la suite de ton film, regarder une série, j'accepte, je refuse, la vidéo se lance. En chemin, ça va être dur la vie dans le futur. Hein. Ça va être très très dur de rappelons, de rappelons qu'on ne conduit pas, hein. C'est pour ça qu'on peut regarder un film. Non, hein. Exactement, ouais. Oui, c'est parce qu'on est en conduite autonome. Non, mais en plus, imaginez ça pour les gens qui sont des professionnels de la route, les routiers, etc. Oui, bah, il faudrait que quand ils auront leur poids lourd autonome. L'étape, c'est qu'ils ne soient plus dans la voiture aussi. Hein. Ouais. C'est ça le problème. Hein. Ouais, mais je pense qu'à moyen terme, ils y seront encore. Tu crois? Pour surveiller. Bah, espérons-le. Comme les pilotes d'avion. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour surveiller si tout va bien. Faire pour les phases d'approche, on a des collages, puis la conduite 100%, on en est encore un peu loin. Ouais, on en est encore un peu loin. Donc voilà, donc après, bon, comme je le disais, il y a ce scénario, sur mon trajet, détecte que j'ai mon ami Michael qui est à proximité, j'accepte ou pas de faire un détour pour finalement qu'il finisse le trajet avec moi. Et ensuite, bah, Michael monte dans la voiture et puis finalement, Michael mais est connu. C'est qui ce Michael? Michael, c'est un ami qui est reconnu. Et toi, t'as des amis à Las Vegas qui s'appellent Michael. Mais oui, et Michael, il adore écouter Beethoven, alors que moi, je préfère plutôt écouter la musique pop. Et donc, bah, la voiture me dit, bah, je vous propose deux playlists différentes. Et là, j'ai deux playlists différentes, pardon. Et donc là, j'ai des écouteurs individuels dans mon appui-tête, lui a les siens et on peut écouter deux musiques différentes. Voilà, donc c'est la personnalisation de l'habitacle. Ah ouais. Et voilà, d'accord. Donc là les écouteurs qui sont là avec donc deux retours différents, puis ensuite bah, la balade se continue et ma femme m'appelle, me dit tu vas être en retard au match de foot de ta fille, veux-tu voir le replay, mais attention, elle a cassé les lacets de ses chaussures, est-ce que tu peux en acheter, et j'accepte ou pas d'en acheter. Et d'automatique. Donc il y a des interactions. Il faut l'embaucher comme scénariste, de David Noguera. Mais c'est toi qui as fait la série 24. C'est impressionnant. C'est assez bien. L'esprit comme ça, tac, 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 tac. C'est dingue. Bah, c'est des scénarios qu'on peut du coup imaginer. C'est-à-dire que comment on va occuper les passagers quand ils seront dans ces phases de délégation de conduite, c'est toutes ces possibilités. Mais David, tout ça là, est-ce qu'on peut imaginer que quelques-unes de ces innovations arrivent sur les véhicules BMW dans quelques années, ou c'est vraiment du délire d'ingénieur? Alors, ce qui est assez étonnant, en tout cas du côté techno, c'est que BMW, c'est pas la première fois qu'il nous montre des choses où on interagit dans l'air. C'est-à-dire que BMW série 7, déjà, on avait du swipe dans l'air, on pouvait monter le volume dans les airs. Donc je pense qu'il croit à cette technologie et à cette interface homme-machine, quelque chose qui va se passer dans l'air. Après, tout ce qu'ils ont présenté, c'est quand même très futuriste parce que ça scénarise quand même pas mal de conduite autonome. La possibilité de prendre un collègue au passage et d'écouter deux musiques différentes, ça c'est tout à fait possible. On a vu des haut-parleurs sur la French Tech, Acoustic Arts, ouais, où on voit qu'en fonction de l'inclinaison, oui, quand on est en face ou pas, on entend. Exactement. Plus du tout ce qui se passe. Quelques ouais, centimètres, voilà. On n'entend plus rien. Donc ça, on sait qu'eux ont un partenariat avec un constructeur automobile. A priori, ils ne peuvent pas encore annoncer de qui il s'agit. Peut-être que c'est BMW, on ne sait pas. Mais ce genre de choses, finalement, ça pourrait arriver assez rapidement parce que c'est du confort dans l'habitacle, c'est de l'optimisation. Donc oui, ça, ça d'accord, pourrait être des choses qui arrivent. On poursuit avec un habitacle là, oui, aussi étonnant. Là encore, de chez Panasonic. Avec des écrans 4K. Ouais, là encore, c'est écran 4K. Comment je fais vivre le multimédia, parce que c'est un peu l'ADN de Panasonic, l'imagerie et puis le multimédia. Et donc la division automotive, eh bien, a ce cockpit qui est assez impressionnant. Alors c'est encore du concept, mais il y a un volant dans ce véhicule. Donc on imagine que c'est un véhicule de niveau 4 sur lequel on va pouvoir reprendre la main en cas de difficulté de conduite. Et on a ces 4 écrans 4K, donc issus de la gamme professionnelle, touchpad, et des interactions possibles. Là ici par exemple, on voit un gobelet qui est connecté à l'écran et qui est capable d'analyser ce qui est dans le gobelet à la fois, donc pour vous dire si votre café est assez chaud et combien de calories la boisson qui est à l'intérieur contient. Les autres interactions, évidemment, ça va être la navigation, le multimédia, et puis il y a un petit anneau métallique, je ne sais pas si on va le voir, mais qui permet de faire varier les couleurs de l'habitacle lorsqu'on tourne une espèce de bague. Donc les dalles, en fait, elles réagissent. C'est le petit anneau qui est là. Et donc là, en l'occurrence, bah, ça fait varier la couleur de l'habitacle. Mais ça pourrait... Ça me fait penser au Surface Studio. Oui, tout à fait. Bah, c'est des interactions comme ça avec le tactile qui sont possibles, imaginables, et que les constructeurs exploitent d'ores et déjà. Donc c'est plutôt sympa. Et en plus, dans ce cockpit, il y a forcément les quatre écrans sont reliés entre eux. Et donc
une fois qu'on s'ennuie, on peut même lancer une partie de Monopoly et lancer les dés dans la voiture pour s'occuper pendant un long trajet. Voilà, donc, là encore, on ne sait pas trop où ça va nous mener. C'est vraiment du concept. Pareil, il y a d'autres constructeurs qui avaient présenté des choses autour de l'analyse du parcours qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que lorsqu'on circule, il y a des caméras à l'extérieur du véhicule qui analysent les monuments. Et finalement, si on passe par exemple devant la Tour Eiffel, elle va s'afficher sur l'écran et on va pouvoir cliquer pour récupérer les informations sur le monument. Voilà, c'est des petites interactions comme ça possibles. Parfait, voilà. Super. Pour Panasonic. Merci beaucoup, David. De rien. Merci, David, pour David ce petit marché quotidien. Paris. Dès demain matin, oui, dès dimanche matin pour tu moi. Tu ne seras pas là demain soir. Et donc, je ne serai pas avec vous demain soir. Donc. On sera tout seul demain. Mais vous allez voir, on vous réserve un spécial start-up. Ça va dépoter, vous allez voir, ça va être cool. Ça va être bien. Merci beaucoup, David Noguera. Dans un instant, on parle de réalité virtuelle avec des choses très très intéressantes découvertes du côté de chez Intel. Mmh. Non, je dis des bêtises d'ailleurs, ça ce sera demain. On va parler d'Intel, mais à propos de sport connecté. Mais juste avant, François, une nouvelle invitée. Alors je sais pas s'il y a un jingle ou pas. Ah, on a un jingle. Écoutez, c'est la fête. C'est magnifique. Regardez, on va le lancer. On passe à autre chose. La Regardez. Suite. Hop là. Et oui, nous, ce qui nous plaît ici, c'est de découvrir des petites startups sympas, des petites ou des grandes startups d'ailleurs, qui nous proposent de nouveaux usages, de nouveaux objets connectés. Et c'est le cas de Virtuose qu'on va découvrir. Virtuose avec notre invitée Valérie Baudichon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes française, hein, comme pas mal de nos invités, ce qui est assez pratique, je le disais hier, pour une émission de télé française. Parce qu'on a plein de startups coréennes, mais on ne va pas trop les voir. C'est un peu plus difficile, ouais. Mais vous savez quoi, les Français font aussi bien. Parce que c'est d'ailleurs assez amusant. On voit des choses similaires dans plusieurs pays. C'est très vrai. Drôle. C'est vrai. On va parler donc d'objets connectés pour pour la maison, mais au-delà, pour les immeubles d'une manière générale, c'est votre spécialité, hein, c'est ça ? Tout à fait, oui. On parle souvent d'objets connectés pour la maison, mais les objets connectés, ça existe aussi pour les bâtiments, et notamment tout type de bâtiments, y compris des bâtiments anciens. On est en train d'équiper des écoles aujourd'hui, qui sont des écoles de Paris, donc des écoles haussmanniennes ou plus récentes, mais ceci dit, pas des écoles construites cette année. Oui, qui n'ont pas été construites avec les toutes dernières technologies. Non, mais les objets connectés, ça fonctionne partout, ça rend des services partout et ça vient apporter de la valeur, quel que soit finalement le type de bâtiment. Alors, il faut sortir de la maison. Quel type d'objet connecté très concrètement ? Alors très concrètement, je vous en ai amené deux. Donc un objet connecté comme celui-là, alors qui est un cube. Alors on va le montrer à la caméra. Sur quelle caméra ? Allez-y, oui. N'est pas là, uniquement un cube, mais qui a un moteur en fait pour tourner les robinets de radiateurs qu'on installe dans des écoles. Donc on branche le radiateur là de ce côté. On branche le radiateur de ce côté. Vous avez vu, je suis bricoleur, hein. Tout de suite j'ai compris. Voilà, la particularité de cet objet. Ça s'arrête là, ses compétences. C'est qu'il est sans fil ni pile. En fait, il trouve son énergie dans son environnement. Donc là, en l'occurrence, dans l'écart de température entre l'eau du radiateur et l'air extérieur. D'accord. Et donc en termes de maintenance, il n'y a pas besoin de changer la pile. On le pose une fois et après, il a assez d'énergie pour fonctionner 40 fois par jour. Il est commandé par ce type d'interrupteur, par exemple. Il est bien sûr commandé par une application smartphone, mais il est commandé par ce type d'interrupteur, qui est aussi un objet sans fil ni pile, où on peut déclarer plutôt que 0,1, là c'est celui du salon, mais confort pour booster le chauffage ou éco. Voilà, donc ça fait partie de ces interrupteurs qu'on peut coller à peu près n'importe où. Tout à fait. On n'a pas besoin, comme avant, de faire passer les câbles dans le mur et puis après ça ne bouge plus. C'est la grande valeur. C'est pour ça qu'on peut intervenir sur des bâtiments anciens facilement et éventuellement le déplacer, le changer de pièce, etc. Il est piézoélectrique celui-là, non, j'ai l'impression. Il est piézoélectrique. Donc on n'a même pas besoin de batterie. Non. En fait, il donne l'impulsion électrique. Il a simplement quand énergie. Tu appuies dessus. Toi aussi, t'es piézoélectrique, non ? Exactement. T'as vu, je suis piézoélectrique. Ouais. Voilà. Donc avec ça, vous pouvez rendre connectés des vieux immeubles, c'est ça ? Des écoles, quel est l'intérêt ? Donc ça va être maîtrise de la consommation, etc. Alors c'est maîtrise de la consommation tout en maintenant le confort. Par exemple, ce qu'on est en train de faire dans des écoles à Paris en ce moment, c'est donc vous visualisez une école, un grand bâtiment un petit peu ancien, avec une chaudière qui va régler la température de toute l'école. Donc quand on est lundi, mardi et que c'est période de classe, tout va bien. Quand on est vacances scolaires, qu'une partie de l'école est utilisée pour faire centre de loisirs et l'autre partie non utilisée, jusque-là on était obligé de chauffer toute l'école. D'accord. Donc là l'intérêt de ces objets, une fois qu'on les met radiateur par radiateur, c'est qu'on va piloter
le chauffage et donc la température, pièce par pièce, en fonction de l'occupation. Ils sont couplés à des détecteurs de présence et une intelligence qui apprend la présence des occupants. Et donc finalement, cette institutrice reste plus tard le soir, ben, ça va prendre l'habitude et lui laisser son chauffage. Et puis cet animateur de centre de loisirs finalement fait différemment. Mmh. Ça, ça vraiment, ça apprend de l'occupation. Pourquoi est-ce que vous visez spécifiquement le marché des collectivités ou le marché professionnel? Parce que ça m'intéresserait, moi, ça, d'avoir ça chez moi. On vise le marché... Alors, au niveau technologie, c'est la même chose que ce qu'on trouve pour les particuliers. C'est exactement la même chose que ce qu'on trouve pour les particuliers. On travaille avec un partenaire qui le propose aussi aux particuliers. Maintenant, pourquoi on vise les bâtiments entreprises? Parce qu'en fait, il y a plein de bâtiments, notamment des écoles, mais pas uniquement, des agences bancaires, des compagnies d'assurance, qui ont des problématiques de gestion de l'énergie et qui sont des petites surfaces, enfin petites entre guillemets, et qui aujourd'hui n'ont pas forcément de solutions de ce type qui vont aller optimiser leur confort. Et qui vient installer tout ça? C'est des spécialistes? Comment ça marche? Non, c'est des... Tu comptes proposer tes services? Non. Non, mais est-ce qu'on peut le faire nous? Ne le prenez pas. C'est qui va installer ce genre de choses? Alors, on peut le faire nous? Non, c'est un électricien, un plombier, en fait. C'est vraiment... Il n'y a pas de... On leur montre, on les forme sur la façon de l'installer, de déclarer les choses pour que ça puisse être ensuite piloté. Et en fait, c'est des installateurs très classiques. Et tout ça est déjà d'ores et déjà disponible? Alors, c'est installé. On a installé cet été 5000 objets à Paris. Dans 3 ans, on aura équipé 140 écoles, ce qui représentera 15 000 objets connectés. Mmh. Donc oui, c'est installé, c'est en fonction. Et là, c'est le premier hiver où ça fonctionne. Voilà. Encore une question, finalement, en posant ces petites briques partout dans un grand immeuble, vous êtes en train de créer un immeuble intelligent à part entière qui pourra être piloté entièrement par voie informatique. Tout à fait, c'est bien l'objet. Et puis surtout, c'est l'objet de les équiper petit à petit. Chacun devient... Alors, pas intelligent à son rythme, mais choisit l'intelligence par laquelle il préfère commencer. Très bien. Et rappelons que vous êtes partenaire d'Engie, hein, bien tout sûr, à fait. Virtuose. Merci beaucoup, Valérie Gautichon, pour cette petite démo de ces produits, parce que c'est vrai que c'est aussi ça, hein, le fait de rendre des bâtiments anciens connectés, c'est quand même génial. Tout à fait. Pour terminer ce 01 Live, on va parler sport, Jérôme. Oui, parce que c'est notre point fort. C'est vrai. Voilà. On est allé faire un tour du côté du stand de Intel qui est monstrueux, comme chaque année, au CES de Las Vegas. Avec plein de concepts, hein, plein de... Voilà. Alors oui, parce que Intel, c'est vrai que ce sont rarement des produits finis. Hein, ce sont des choses qui sont mises au point pour impulser des innovations sans forcément les commercialiser après. Parce que Intel, ça fait quoi? Ça fait des processeurs. Ça fait des processeurs. Ça fait des puces. Mais là, ils sont en train d'expliquer qu'avec leur processeur, on peut faire des choses. On peut jouer au basket. Assez étonnante. On peut jouer au basket. On peut jouer au basket. Non, c'est fort quand même. L'idée, c'est de permettre aux gens qui aiment le sport de suivre les rencontres de manière différente aujourd'hui. Alors bon, on a eu la 4K qui est arrivée, on a eu plein de choses qui sont arrivées, la vidéo 3D. Maintenant, c'est la vidéo immersive et les métadonnées qui arrivent. Ce que vous avez aperçu tout à l'heure, qui ressemble à une espèce de barbecue, c'est une caméra 3D. Toi, on voit que tu as faim. Hein. Ça, c'est terrible. Voilà, on la voit dans le coin. Elle est au fond à droite. Elle est au fond à droite là-bas. Voilà. Et ensuite, lorsque vous mettez un masque de réalité virtuelle chez vous, connecté à votre télé, vous allez... Voilà, c'est ce qui se passe ici. Vous allez plonger dans l'action du match, mais en étant carrément sur le terrain. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme si vous assistiez à une retransmission d'un match, sauf qu'au lieu d'être devant votre télé, vous chaussez un masque de réalité virtuelle et vous voyez le masque. Ah ben oui, tu as l'impression que le ballon te passe au-dessus, tu lèves la tête parce que tu vois que quand il fait un dunk, le panier est à 2 mètres. Donc c'est ça. Et alors l'autre chose, il faut dire, c'est un petit peu décevant en termes de qualité d'image. Hein, on l'a essayé. Il y a pas mal de pixels encore. Ouais, hein. C'est pas et terrible. On ne sait pas trop si c'est la caméra qui n'a pas énormément de définition. Et ou je pense si pas, c'est l'écran du masque qui est un peu pauvre en def. Non, parce qu'a priori, c'est vraiment impressionnant. C'est plutôt une caméra, c'est une société qui s'appelle Vogue, qui a été rachetée par Intel il n'y a pas longtemps, qui est spécialisée dans ces caméras 360. D'ailleurs, ce n'est pas 360, c'est 180, parce que c'est un demi-camembert en réalité. Et c'est au contraire de la très haute définition, donc je pense que c'est après, en termes de restitution de l'image, qu'on perd quelque chose. La force, on ne l'a peut-être pas signalé dès le départ, c'est qu'on voit tout ça en direct. Oui. Voilà, c'est pas quelque chose qui est enregistré. Absolument. Vous êtes installé sur votre canapé, vous mettez votre masque de réalité virtuelle et vous voyez en temps réel le match
mais voilà, ouais, comme si vous étiez au cœur du stade, quoi. C'est et il y a plusieurs caméras, donc on peut switcher d'une caméra à l'autre, donc ce qui revient à passer d'une position à une autre, voilà, sur le terrain. Et on vous parlait de concept, c'est vrai que ça n'existe pas encore, hein. Non. Mais il montre que techniquement c'est faisable, et peut-être que demain il y aura un Samsung, une autre marque qui sera intéressée par ce concept. Et là, entre parenthèses, je sais, c'est un peu une... Par contre, les diffuseurs de télé ont peut-être doivent y penser dès maintenant. Évidemment. Hein, parce que ça, c'est... On sort de l'écran traditionnel de télévision pour suivre un match. Que dans quelques années, Jérôme, on sera obligé de faire un 01 live en 360. On sera obligé, ouais, on sera forcé. Mais on le fera avec plaisir. Bah oui, bien sûr. Et il y a autre chose. Ça, vous verrez ce qu'on a dans le dos. Les piles, les grosses batteries. Vous verrez Pierre, vous verrez Jean-David en train de nous faire comme ça. Regarde, c'est pas terminé sur Intel et le sport. On l'a aperçu tout à l'heure, je pense que Pierre va nous remontrer les images. Également des petits bracelets que portent les joueurs. Ils ont chacun un petit bracelet. Bon, alors c'est ce bracelet qui permet de s'essuyer le front quand on a trop de sueur. Mais pas seulement. À l'intérieur, il y a des trackers, il y a des puces Intel qui s'appellent Curie et Quark et qui traquent tous les mouvements, toutes les actions, ce qui permet d'afficher ensuite sur ce tableau qu'on voit au milieu toutes les actions en temps réel, les statistiques, données, etc. Exactement. Donc le type fait un dunk, oui, par exemple. C'est un tracker d'activité en fait, son bracelet. Oui, d'activité, enfin plus que ça véritablement. Je pense qu'il doit y en avoir un aussi dans le ballon en fait. Et on peut dire à quelle hauteur est monté le ballon, quelle a été la vitesse, d'accord, du truc. Enfin, il y a plein de paramètres que les spécialistes de tel ou tel sport sont sans doute seront intéressés de connaître en temps réel. En plus de l'action elle-même. Enfin, ça devient hyper technique, hein, de regarder un match de sport. Il paraît que ça prend encore plus de sens pour le baseball. En plus. Encore plus que pour le basket. Ouais. C'est vrai que nous, le problème, c'est qu'en France, le baseball, c'est pas... C'est pas très répandu. Voilà, c'est pas très répandu. Par contre, le basket, ça monte ça énormément. Voilà, c'est sympa. Hein. Très sympa. Donc, on aura d'autres innovations Intel à vous montrer demain, hein, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. En l'occurrence, ce sera de la réalité virtuelle, puisque j'ai vendu la mèche, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu as tout dit avant qu'il fallait... voilà. Bon, il y a plein de vidéos à retrouver sur 01net TV et des articles, évidemment, sur 01net.com. Allez-y, parce que chaque soir, nous sommes en direct, mais également, il y a également plein de reportages qui sont produits. Ils vous attendent, ouais, bien sûr. Donc, allez chercher sur le Media Player de 01net TV. Vous allez voir, vous pourrez revoir aussi des sujets que vous n'avez pas bien vus. Très bien. Bah, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci pour tous vos messages sur Twitter avec le hashtag 01live. C'était cool. Tiens, on nous montre un peu Pierre qui est en train de réaliser. Comme ça, vous allez voir un petit peu les coulisses de ce 01live. C'est génial. Regardez dans quelle configuration on est. Coucou. Voilà. C'est JD qui tient la caméra. Voilà, et ce petit studio sur le stand de la Poste. Très sympa. On vous souhaite une très très bonne soirée, en tout cas si vous êtes en France. Voilà. Et merci à Pierre Thiolin, merci à Jean-David Duart à qui était votre caméra. On se retrouve demain soir à 20h. On sera là demain pour le dernier 01 live depuis ce CES de Las Vegas. On vous réserve encore plein de surprises. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous. Et à très vite.